On se rend justement là, sur le terrain en lien avec ce qui se passe dans la guerre Israël-Hamas. On retrouve Clémence Dibou, qui est correspondante pour BFM TV en Israël. Elle se trouve à Beersheva. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bien, tout d'abord, l'offensive d'Israël, hein, c'est sur toutes les lèvres à Gaza, est imminente. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Est-ce que les préparatifs sont bel et bien visibles, l'armée israélienne? Oui, elle est très visible, cette préparation de l'armée israélienne, notamment quand on se rend sur la route pour aller à Gaza après Ashkelon. C'est une route qui est difficile à filmer parce que l'armée est évidemment sur les dents, mais de chaque côté, eh bien, il y a des chars qui sont très positionnés. On a pu parler avec les soldats, et eh bien les soldats... Ils s'impatientent presque, en fait, et ils attendent surtout eh bien, l'ordre d'aller de l'avant. Pour l'instant, il y a beaucoup de médias israéliens qui pensaient que ce serait samedi soir, fin de week-end, fin de Shabbat ici en Israël. Il n'en a été rien. C'est possible comme le fait que ça soit un peu plus tard, c'est aussi possible à cause de la météo, parce que vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de nuages. Et les nuages, eh bien, ça empêche les dronistes de pouvoir voir ce qui se passe dans la bande de Gaza côté israélien et côté palestinien. Voilà peut-être pourquoi eh bien, il y a encore quelques heures. Il y a aussi quelques heures parce que Tsahal a proposé un corridor humanitaire que les habitants du nord de Gaza puissent aller vers le sud, la zone un peu moins bombardée par Tsahal. Tsahal qui va aussi expliquer qu'il fallait d'abord un appui aérien très important avant de lancer massivement les troupes au sol. On sait qu'il y a des troupes d'élite qui ont réussi à rentrer dans la bande de Gaza de façon sporadique, à voir où étaient certains de ces personnes recherchées, de ces personnes prises en otage en Palestine. Sur la bande de Gaza. Voilà à l'heure actuelle, c'est imminent, tout le monde est prêt et tout le monde attend les ordres. Et de ce qu'on sait pour l'instant, là, comment va se déployer cette opération-là sur la bande de Gaza de la part de l'armée israélienne? C'est très compliqué pour eux parce que Gaza, c'est, on l'a dit, hein, 2 millions d'habitants. Mm-hmm. Peut-être chaque maison piégée par le Hamas, ils n'en savent rien. Ils appréhendent évidemment ces soldats israéliens quand on leur parle et ce qu'ils vont trouver sur place. C'est ça qu'ils auront à faire à une population aussi. Ils ne savent pas à quel point eh bien, les endroits où ils rentreront seront piégés. Donc il faut y aller progressivement. Voilà pourquoi cela prend du temps. L'armée israélienne explique eh bien, qu'il y aura un appui aérien très important pour aider les troupes au sol. Les troupes au sol qui commencent donc à tâter le terrain, si j'ose dire, eh bien, en envoyant des troupes d'élite faire du repérage avant peut-être effectivement, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, une entrée massive des chars qui sont massés autour de la frontière à Gaza. Et au cours des dernières heures, est-ce qu'il y a eu d'autres interceptions de roquettes? Oui, tout le temps, là où on nous trouve, hein, les alarmes sont permanentes, notamment tout à l'heure, on était à Sderot qui est à peine, même pas un kilomètre de Gaza. Parfois, il n'y a même pas le temps d'avoir des alarmes très précises et on voit les roquettes passer. C'est un peu plus calme, je dois dire, effectivement, dans cette zone qu'hier, près de la frontière de Gaza. Mais à l'instant, tout à l'heure, il y a eu une alarme massive pour Tel Aviv, le centre-ville de Tel Aviv, qui, donc, à voir si le dôme de fer a fonctionné. Mais il y a eu une alarme il y a quelques instants à peine pour la grande ville de Tel Aviv. Et dans les dernières heures, on a aussi vu des appels à l'aide dans des familles des otages qui sont détenus par le Hamas. On sent qu'il y a quand même de la colère là, qui gronde de la part des proches de ces gens-là qui sont retenus en otage. Oui, une anecdote tout à l'heure. On a fait l'évacuation d'un couple de Sderot, d'un couple âgé d'Israéliens qui nous ont expliqué que jusque-là, ils votaient Likoud. Et en fait, là, ils ont dû quitter leur maison parce qu'il y avait trop de roquettes à Sderot. Ils vont aller à Jérusalem dans un hôtel. Et en partant, la dame, elle s'est enfin soulagée. Et puis, elle s'est lâchée, un grand mouvement de colère. Elle a dit « J'ai toujours voté Likoud, mais là, le gouvernement nous a abandonnés. C'est à cause du gouvernement quand on arrive là. » Autre anecdote aussi pour vous raconter un peu l'ambiance politique ici. Hier, on était à l'hôpital d'Ashkelon et il y avait Benny Gantz, le chef de l'opposition qui aujourd'hui est dans le gouvernement. Et il y avait une poignée de manifestants qui s'est déplacée sur place alors que c'était une visite surprise pour dire à quel point ils en voulaient à ce gouvernement, ils en voulaient à la classe politique pour selon de laisser faire. Voilà une petite musique qui monte effectivement en Israël, même si tout le monde se met derrière les dirigeants en temps de guerre. On entend déjà effectivement des reproches et notamment aussi de la part de certaines familles d'otages qui demandent eh bien, peut-être un peu de temps pour pouvoir identifier les otages, peut-être pouvoir en sauver avant de lancer cette offensive. Parce qu'on a peu d'informations justement sur les otages, où pourraient-ils se trouver et quel est leur état de santé aussi? Oui, c'est le grand mystère, effectivement. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'ils vont servir de monnaie d'échange vivants ou morts? Est-ce qu'ils vont servir de bouclier humain? Tout est envisagé, bien sûr. Donc, les familles vivent dans l'angoisse. Elles voudraient des réponses. Elles voudraient eh bien, que les soldats d'élite aillent les chercher à Gaza s'il le faut. Pour l'instant, eh bien, le gouvernement n'a pas bougé. Il a expliqué que
Israël fera tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre et n'a pas spécialement donné de détails pour les otages. Et ce qui angoisse évidemment beaucoup de familles, notamment par exemple ce papa qui a commencé un sit-in devant les places forces du gouvernement à Tel Aviv pour demander justement de se faire entendre et que l'on puisse l'aider à retrouver sa fille qui serait probablement otage en ce moment à Gaza. Vraiment pas facile. Clémence Dibou de BFM TV, vous êtes correspondante en Israël. Merci d'avoir été avec nous et prudence. Merci. Bonne journée.